Et salut les amis, on se retrouve pour l'épisode 2 du mode carrière sur First Touch Soccer 19. Pour ceux qui se souviennent, on s'est arrêté à la début de saison. J'ai déjà débuté la saison et j'ai déjà joué quasiment 4 matchs, bien sûr. Je les ai tous gagnés, j'ai marqué 19 buts et j'en ai encaissé 12. J'en ai encaissé un seul, voilà. Puis j'ai un peu amélioré l'équipe. Et quand on s'est parti, on s'est arrêté au transfert de Casillas. Non, c'est arrêté au transfert de Pedro. De mon côté, j'ai acheté Casillas pour 18 800 du côté du FC Porto. Edin Dzeko pour 66 millions. Provenance de l'AS Roma. Et Marcos Llorente, un ancien buteur que j'ai acheté pour 52 millions, provenance de Tottenham. Javier Hernandez, connu sous le nom de Chicharito, acheté à West Ham pour 69 millions d'euros. Wilshere pour 25 millions d'euros, provenance de West Ham. Zabaleta, défenseur, acheté pour 30 millions provenance de West Ham. Ramsey, provenance d'Arsenal pour 30 millions. Dabo, et puis c'est bon, les transferts que j'ai dû payer. Les transferts gratuits que j'ai fait, j'ai fait 4 transferts gratuits qui n'ont même pas permis, qui m'ont, voilà. J'ai acheté Javier Mascherano gratuit, Dabo aussi, Maxwell, le transfert le plus important qui était le plus utile de ma carrière, c'était le transfert de Zlatan Ibrahimovic qui vaut 82 millions que j'ai acheté j'ai acheté gratuitement pour un contrat de 3 ans. Il est avec 89 de général et voici la composition, le 11 de départ. Dans les cages, bien sûr, on a Casillas, Debuchy, Subosic, Zabaleta, Maxwell en défense. En milieu de terrain, nous avons Wilshere, Ramsey, Cabela qui remplace Pedro qui est actuellement blessé pendant 2 semaines. Voilà, nous avons et en attaque, nous avons Ibrahimovic, Chicharito et Llorente. Sur le banc, nous avons Stéphane Ruffier, Javier Mascherano, Dabo, Amouma, Stéphane Charaoui, Edin Dzeko et Roux. Roux que au début de la saison qui avait le numéro 9, que j'ai dû donner le numéro 9 à Zlatan parce que Zlatan est un très bon joueur et je pense même donner le numéro 10 à, comme actuellement le numéro 1 c'est Pedro, je pense donner le numéro 10 à Chicharito. Parce que pour moi, Chicharito, c'est un bon joueur. Numéro 10 à Chicharito. Et le numéro 7 à Cabela. Cabela garçon numéro 7. Parce que pour moi, Cabela, c'est un très 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 bon joueur. Nous allons commencer cette vidéo avec le premier match de la Ligue contre l'Inter de Milan. Voilà, on va se déplacer en Italie. Thank you.
I'm
passion pour lui. Et homme du match, Marcos Llorente. Et on est classé premier. Voilà. Et West Hoffenheim et on va jouer le match contre Nice et le deuxième match contre Hoffenheim après celui du PSG. Maintenant on va faire celui du PSG dans l'épisode suivant. C'est-à-dire qu'on ne perd pas notre place, on est toujours premier. Hein, cette victoire très très facile face à Strasbourg. Voilà. Qu'on gagne 1-0 contre dans un but de Llorente. Et on enchaîne avec un deuxième match. Llorente qui est blessé. On va faire entrer Moni Paquet. Mais Moni Paquet va pas jouer, va mettre trop. À sa place, Moni Paquet sera remplaçant. Pedro qui est de retour. Alors, Kabela ici. Amouma. Voilà, on va faire entrer nos deux nouveaux défenseurs. Oh, ils sont nouveaux, faut bien les faire jouer, mon ami. Voilà. Djeko aussi, on va le faire entrer à la place de Zlatan. On va faire entrer Zlatan en porte du jeu. Et c'est parti pour le match contre Panathinaikos. When the world is getting darker, I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows.
magnifique victoire de Saint-Étienne qui marque son sixième, qui marque trois buts encore. Voilà, et voilà, nous avons l'Inter de Milan qui remporte son deuxième match contre Hoffenheim 4-1. Il retourne et prend la deuxième place. Et nous, on gagne notre match, on gagne notre deuxième match d'affilée en Ligue Europa. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous aura plu, likez, partagez la vidéo. Nous allons faire le résumé de ce match. Voilà. Nous avons gagné quasiment. Nous avons gagné. Le premier match c'était, je sais pas contre qui, mais on a gagné. Voici notre classement championnat. 6 matchs, 24 buts marqué, 2 encaissés, différence de but avec 22. En deuxième position, nous avons PSG, 5 victoires, 1 défaite, 13 buts marqués, 5 encaissés. Saint-Etienne, Marseille, 6ème place, même le même bulletin, le même résultat, mais avec 14 buts marqués, 7 encaissés, qui veut dire 7 disponibles. Voilà, meilleur buteur, nous avons nos trois premiers meilleurs buteurs. Nous avons à la première place Sako du Stade Rennais, Mitroglou de l'Olympique de Marseille et Edin Dzeko de la AS Saint-Etienne. Puis en Europa League, nous vous connaissez déjà l'histoire, on est premier, 2 victoires, 2 buts, 6 buts, 6 points. Groupe K, voilà, je vous laisse regarder les autres groupes. Voilà, et buteur, nous avons, voilà, ça c'est un intérêt, bien sûr. Et en Ligue des Champions, phase B, je vous laisse les groupes A, B, voilà, vous allez vous habituer. Si cette vidéo vous aura plu, likez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne. On est presque 300 mais à la chaîne et si on arrive à tomber 500 abonnés, ce serait un très très grand plaisir. Voilà. Allez les amis, ciao pour une nouvelle vidéo.